technique, c'est toujours d'apparence très simple. Vous voyez, au départ, genre dans la lecture, on dit bon, bah, ça va, c'est à la portée de. Et puis on sourit au début et on pleure à la dernière ligne. C'est un peu ça. Parce qu'on s'aperçoit que dans la lecture, dans le parcours de la lecture de la recette, de la difficulté. On ose se faire juger par ses pairs et pas par n'importe quel pair. Je veux dire, ce jury qui est composé de gens extraordinaires, des 3 étoiles, des 2 étoiles, des Bocuse d'or, des gens de haut talent. Et il faut avoir quand même de l'humilité et puis du courage pour aller se dire, allez, ok, j'ai mon 2 étoiles dans ma vie courante, j'ai mon restaurant à 2 étoiles, mais aujourd'hui, je viens cuisiner devant vous et vous allez juger que la façon dont je travaille. Faut le vouloir ce titre, faut le voir ces couleurs autour du cou. L'esprit du bon produit, de la bonne cuisine, de la régularité, du respect et de la transmission. Tout ça, c'est ça d'être meilleur de France. Donc c'est tous les jours. Quoi. C'est que le début en fait. Tellement dur, c'est tellement tellement improbable, tellement voilà, c'est beaucoup de travail et à la fois c'est irréel quoi. Aujourd'hui c'est irréel pour moi. J'ai travaillé quand même 9 ans avec de meilleurs ouvriers de France et ils m'ont transmis vraiment tout ce qu'ils pouvaient me transmettre et aujourd'hui je veux faire la même chose. Les titulaires du titre sont des gars d'un excellent niveau, très clairement. C'était pas facile, on avait un peu chargé le sujet. Parce que je pense que l'image de l'excellence de la cuisine française doit être représentée de cette manière-là. C'est la décision d'un jury de plus de 50 personnes, bien mélangée en termes de sensibilité. C'est l'expression et la destination de la répétition du geste, de la beauté de ce métier, de la transmission de la connaissance. Voilà, je pense que les 8 qui ont été distingués ce soir vont porter haut et loin la cuisine française d'aujourd'hui et surtout celle de demain.